comprenez qu'après 18 mois, ça fait 18 mois que vous êtes à l'Élysée, c'est l'heure du premier bilan, que les Français soient déçus, que certains soient en colère et qu'ils se disent « on avait beaucoup misé sur lui, ben le résultat n'est pas extraordinaire ». D'abord, je n'ai jamais donné de rendez-vous à 18 mois. Si, vous aviez dit à El Mundo, un journal espagnol, fin 2017, donnez-moi 18 mois, donnez-moi 18 mois pour le chômage. Peut-être à partir de fin 2017. Non, mais je ne veux pas là donner des échéances fermes. Vous comprenez que les gens soient très déçus. Je n'ai jamais donné, moi, des objectifs intercalaires, si je puis dire. 12-18 mois. Dans un an et demi, deux ans. Il faut attendre deux ans. Je n'ai jamais donné, moi, des objectifs intercalaires, si je puis dire. 12-18 mois. Dans un an et demi, deux ans. Il faut attendre deux ans pour qu'elle commence à avoir ses pleins effets. La formation, c'est le travail sur la compétitivité, c'est la réforme du marché du travail. Tout ça prend 12 à 18 mois pour produire ses effets. L'erreur qui a pu être faite dans des quinquennats précédents, c'est de différer ces mesures dont les effets ne sont perceptibles qu'après 12-18 mois, comme vous l'avez très bien dit. L'ensemble de ces réformes faites dans les 6 à 8 premiers mois sont de nature à recréer de la confiance avec les acteurs économiques, parce qu'elles s'accompagneront d'une grande lisibilité et stabilité. J'entends bien, les premiers effets sont sous 12 mois. Le taux de chômage est en train progressivement de baisser. Il baissera la plénitude des réformes qui sont en train d'être conduites par le gouvernement. Vous les verrez dans un an et demi, deux ans. Il faudra du temps avant que le chômage baisse. Il faut compter deux ans pour que les décisions que vous prenez. Sur le sujet du chômage, j'ai pris mes responsabilités. J'ai fait tout de suite la réforme la plus importante qui avait été évitée en France depuis 20 ans. Cette réforme produira des résultats. Dans les 5 ans ? Dans les 2 ans ? Dans les 5 ans. Dans les 5 ans. Mais après, moi je dis, il faut attendre 2 ans pour qu'elle commence à avoir ses pleins effets. Mais je ne suis pas là pour faire des pronostics, je suis là pour agir.